Commençons par la sélection ou le clic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec votre tablette, vous avez très largement utilisé ce toucher. Il s'agit d'un appui bref sur l'icône ou le texte que vous souhaitez sélectionner. Il y a ensuite le glisser ou swipe, qui consiste à balayer votre écran d'un appui de gauche à droite ou de droite à gauche, mais aussi de haut en bas ou de bas en haut. Vous pouvez faire une sélection longue avec un appui plus long que celui de la sélection simple. Ceci permet d'effectuer d'autres actions différentes de la sélection simple. Par exemple, dans le cas de votre écran d'accueil, la sélection prolongée vous permet de déplacer ou transporter une icône. En fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez, une sélection prolongée peut avoir des effets différents. Je vais maintenant dans Google Maps, une application de cartes, pour vous montrer comment ces mêmes touchers peuvent avoir un rôle différent dans une autre application. Quand vous essayerez vous-même avec votre tablette, vous verrez, c'est très facile à comprendre. Voici maintenant le toucher qui permet d'agrandir ou réduire la taille de ce qui est affiché. Il vous suffit de rapprocher ou d'écarter deux doigts appuyés à l'écran. Le toucher agrandir et réduire n'est pas disponible dans toutes les applications, mais essayez-le, il est présent plus souvent qu'on ne le croit. Le toucher rotation n'est lui aussi pas disponible partout, mais peut parfois s'avérer très utile. Regardez. Avant de terminer cette partie sur l'initialisation de votre tablette, nous vous présentons rapidement les trois touches qui se trouvent tout en bas sur le contour de votre écran tactile. Intuitivement, vous avez peut-être déjà utilisé ces touches. Tout à droite, il y a la touche retour qui vous permet de revenir en arrière lorsque vous avez par exemple effectué une suite de sélections. Voici un exemple dans le cas où vous vous dirigeriez vers la réinitialisation de votre tablette. Au milieu, il y a la touche Accueil qui vous permet de revenir directement à votre page ou menu d'accueil, peu importe où vous vous trouvez dans votre tablette. Enfin, tout à gauche, c'est le bouton Applications récentes qui vous permet de visualiser d'un seul coup l'ensemble des applications que vous avez ouvertes et qui sont encore en activité dans votre tablette.